toujours un plaisir de retrouver ce magnifique plan d'eau. Et la Fédération française de voile a sur cette épreuve 4 championnats de France. C'était un événement qui est monté en puissance très très vite dans les années 60-70. Et donc, depuis, elle a continué d'exister. Et donc, ça reste une belle épreuve, une grande épreuve, une grande classique pour la ville de La Rochelle. Super bonne condition, il y a eu du beau temps, du vent. Et ouais, franchement, je suis contente d'être là. C'est toujours un bel événement. Yes, he's my father. He's my son. The sailing is really nice because you're protected in the bay, but you're still sailing on the Atlantic Ocean. So it's, I think it's pretty unique. Yeah. C'est l'occasion pour aussi toutes les générations de se rencontrer, de découvrir le plaisir de naviguer. Être sur une ligne avec beaucoup de personnes, là on est quand même 46 inscrits, c'est énorme, donc ça nous permet de vachement progresser. Ça donne envie de voir les bateaux de classe supérieure, mais il va falloir se perfectionner encore au ticket. Nous on a dessalé hier, c'était super drôle, enfin une fois que t'es dans l'eau et que t'as dessalé, quand on repense au moment, c'est super drôle. Les conditions sont réunies pour avoir des très belles manches sur l'eau. On a une chouette équipe bénévole qui se développe, des équipes aussi d'arbitrage via la Fédération française de voile. Je ne connaissais pas la voile, j'habite à Bordeaux, donc c'est pas si loin que ça. Donc du coup, j'ai posé un jour de congé pour faire le grand pont, pour venir faire le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ici, en bénévole. Il y a une super bonne équipe entre tous les organisateurs, les bénévoles. Là, c'est super cool parce qu'on est tous ensemble et puis on a commencé à connaître des nouvelles personnes. La semaine de La Rochelle, c'est fun. Intéressant. Enrichissant. C'est trop bien. Convivialité. Drôle. Surprenant et magique. Les rencontres aussi.